Maman. Comme il y a le soleil, on a dit qu'on allait faire autre chose comme baptême. On allait faire, avec un jour de retard, ton anniversaire. Ah, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. La famille. La famille. Je suis ému moi aussi. C'est elle la coupable. Elles sont belles, hein. Gonflez les poitrines. La star de Cannes. Ah oui, c'est dur. Ah non, c'est vrai, non. Ça me flatte. La guerre est amie. Oui, elle m'a coupé. Elle a des boucles d'oreilles. Dis donc, elles sont longues, celles-là, quand même. Ma nièce en a acheté des petites. Oui, mais là, il faudrait. Qui manque ? Élise et Elisa et Gabriel. Allez, un peu du retard. Allez, les filles, on y va. Les violettes aussi, comme ça. Et tu les aimes pas, celles que je t'ai achetées ? Vas-y avec elle. Ils sont jolis. Allez, allez-y. Lilou, viens là. Allez, Louis. Je vais vous mettre là devant. Mais non, c'est pas la même chose. Louis. Il y a Lola. Lise, Gabou. Il y a Gabou, surtout derrière. Allez les filles, Élise et Gabou. Il n'y a pas Blanca. Un, deux. Il n'y a pas Lilou. Et il n'y a pas Jean. Ah, très bien. Blanca, elle n'est pas venue. Je lui demande pourquoi pleures-tu? Il me répond où sont-tu? Non, mais c'était pas comme ça. Oui, c'est pas ça. Nous avons les rues au cul, Hitler sera pas mort. Mais est-ce que c'est une qu'on avait répétée? Vous avez la fin, ça arrête. Non, c'est ça, il n'y a pas quand même un fâché. Allez, les haricots. Ah oui, je me rappelle. On doit chanter ce que l'on aime. Mais oui, il fait du playback. Pas très bien. Du mime, il fait du mime. Voilà pourquoi on a un poème. Je vais chanter Léa. Alors, haricots.
un peu de respect, du respect. Respect. Allez, on est là. Alors, on repose en pause. Dès le premier cocorico. Oh, qu'il est doux quand vient l'aurore de voir semer Léa. Et je vois que vous êtes dans l'autre temps. Et puis, il y a les paroles, l'autre, non ? Et puis, un jour sortant de terre et se dressant toujours plus haut vers le soleil, vers la lumière, on voit pousser Léa. Oui. En printemps, la rose était close. Oh. En été, le coquelicot. Et quel spectacle grandiose de voir fleurir les haricots. Le carré paysan de France, s'agenouillant, courbant le dos, ont l'air de faire révérence pour mieux cueillir les haricots. Mathieu. Mais ces courbettes hypocrites précèdent la main du boulot qui les jetant dans la marmite met à bouillir les haricots. Les haricots. Et lorsque vient leur dernière on les sert autour de gibot. Et chaque fois, mon âme pleure, car c'est la fête des haricots. Bravo. 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 Tu devrais parler en anglais avec elle. Eh oui, mais elle me parle. Mais ça y est.